Matignon, 13 décembre 1999. Sans trêve de la violence clandestine, trois semaines après les attentats en plein jour contre la DDE et l'URSSAF à Ajaccio, sans mobilisation dans les rues, le Premier ministre ouvre les négociations. Il me semblait qu'il fallait sortir d'une certaine situation de blocage, qu'il fallait le faire par le dialogue, dans la transparence. Une méthode qui est une première. Ce cycle de négociations avec les élus de tous bords aboutit à la loi de janvier 2002, un nouveau statut et 2 milliards d'euros d'investissement dans un plan exceptionnel. Par le passé, les négociations ont été discrètes, voire secrètes. Mais avec un statut particulier qui tient compte de ce que vous êtes, qui tient compte de ce que vous devez devenir. Sous l'impulsion de François Mitterrand, les discussions pour le tout premier statut de la Corse se font autour de Bastien Leccia, socialiste représentant des Corses de Marseille proche de Gaston Defferre. Les échanges ont lieu avec quelques élus, notamment le leader autonomiste Edmond Simeone. Amnistie et libération des prisonniers sont accordés. La mobilisation populaire, 10 ans plus tard, porte avant tout sur la cherté de la vie et la prime d'insularité. En 1991, deuxième statut, deuxième loi d'amnistie, sauf pour les crimes de sang. Des élus sont consultés, naît la collectivité territoriale de Corse avec un exécutif distinct de l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel refuse toutefois de reconnaître le peuple corse. Tous les Corses savent qu'il y a un peuple corse et la plupart des Français le soupçonnent. Mais le dire, ça aurait l'air de, pour certains, de dire qu'on porte atteinte à l'unité nationale. Une revendication toujours reprise depuis lors, comme celle des prisonniers dits politiques. En décembre, élus et associations obtiennent l'adhésion de tous les partis de l'Assemblée nationale pour demander le rapprochement du commando Erignac. Une séquence déjà presque oubliée, emportée par les derniers événements quasi insurrectionnels. Bonjour.